Voilà, les portes n'ont toujours pas ouvertes, mais devraient s'ouvrir dans quelques instants. Voilà, pour ce concert de la chanson de l'année 2018. Et on est avec Pascal Nègre. Voilà, bonsoir. Salut. Qui a l'habitude maintenant de venir aux arènes. Ouais, mais pas que pour ça, quoi. Moi, j'aime bien la région, quoi. Voilà, donc je viens souvent en vacances pas loin d'ici, entre Aigues-Mortes et ici. Voilà. D'accord. Voilà, une petite indiscrétion sur vos vacances. Voilà, exactement. J'imagine que bon, le cadre des arènes, pour faire, quand on est passionné de musique, pour faire des concerts, c'est un bel écrin. Il y a des concerts historiques qui sont passés ici. Donc ouais, c'est un super endroit. C'est un super endroit. Donc voilà. Et là, il y a un truc marrant, c'est que quand les arènes sont pleines, il n'y a plus de vent. C'est assez étonnant. Ça coupe le Mistral. Ouais, c'est absolument incroyable. Je ne sais pas pourquoi. C'est un bel effet du public. Voilà. Un mot sur le programme, la chanson de l'année. Il y a plein d'artistes. Tous les poids lourds de la chanson française sont là. Et puis plein de nouveaux, parce que c'est aussi important qu'à la fois il y ait des artistes qui aient des carrières longues, et puis des jeunes artistes qui démarrent et à qui on souhaite une carrière longue aussi. Voilà. Oui, c'est bien. Quand on sonde un peu les gens, voilà, chacun a son chouchou, et ce qu'on ressent, c'est qu'ils aiment bien le fait que, voilà, que ça soit intergénérationnel. Hein. C'est un programme qui s'adresse vraiment. Il y a Mylène Farmer, il y a Soprano, on a vraiment de tout. Ouais, tout à fait. Alors, Mylène Farmer, c'est assez exceptionnel parce qu'elle fait très très peu de télé. Donc voilà quoi. Mais sinon, oui, il y a plein de gens quoi. Mais c'est super. Tous les artistes de 20 à 70 ans. C'est génial. Vous allez rester encore quelques jours pour le Grand Bal aussi lundi? Et malheureusement, non. Il faut que je reparte parce que j'ai préféré aller à Roland-Garros pour la finale. Donc voilà. Bon, on ne vous en voudra pas alors. Non, et vive Nadal. Voilà. Merci. Bon courage, au revoir. Bonne soirée, bon concert. Merci. Ciao. Voilà, Monsieur Nègre qui était avec nous, voilà, qui est responsable un peu une personnalité importante du monde de la musique. Et voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter de cette soirée de présentation de ce concert 2018, voilà, de la chanson de l'année que vous avez pu suivre. Voilà, les gens qui vont rentrer dans quelques instants. Il y a du retard, hein, normalement les portes auraient dû ouvrir à 18h30, mais voilà. Ça devrait s'ouvrir d'ici quelques minutes pour ce concert, la chanson de l'année 2018. Le public, depuis tout à l'heure, a un peu des souffles quand il voit passer les artistes. Et les artistes qui sont tout proches, ils sont derrière ces camions. Ils sont là, il y a une espèce de carré VIP, on peut dire, provisoire qui s'est monté. Où ils sont là, ils se font maquiller, ils se préparent. Donc voilà, et donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance, malheureusement, d'avoir des places dans les arènes, vous pourrez suivre ce concert en direct sur TF1, voilà, à 21h. Et nous, Objectif Gare, eh bien, continuez à suivre sur le site. D'ailleurs, vous aurez les photos du concert, les plus belles images, dès ce soir, publiées par notre journaliste Anthony Morin. Et voilà, l'actualité continue sur Objectif Gare. Restez connectés.